Nang's Reborn. Wow! Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons voir la réaction des gens face au nouveau pasteur Jésus Baoulé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à toute la cloche, pasteur! D'autres vidéos vont venir, vous serez surpris. Et j'aimerais que cette vidéo atteigne les 10 000 j'aime. S'il vous plaît, lancez-vous. Venez, 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 venez! Parce que, ouh, ça, c'est extraordinaire! Regardez, regardez, regardez! Tout le monde en parle. Le nouveau Jésus Baoulé fait le buzz sur ce bon. Regardez. Même ses collègues pasteurs sont des gays. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Au travers de ce monsieur que vous voyez juste là au milieu, nous allons découvrir ce que les gens pensent de lui et plein d'autres choses encore. Soyez prêts. Maintenant, c'est parti. Écoutez ce que son collègue pasteur a à nous dire. Il y a un autre Dieu qui s'est annoncé. Il y a un autre Dieu qui s'est annoncé. Il est sur vous ou quoi? Écoutez, écoutez ça encore. Il y a un autre Dieu qui s'est annoncé. Un Dieu qui a de, qui a baoulé Tendini. Alléluia. Apparemment, il allait surpris. Il allait étonné. Mais pourquoi? Pourquoi est-il si surpris? Ou surpris d'être étonné. Mais en tout cas, le Jésus Baoulé a une réponse à donner à toutes les personnes qui sont dans le doute. Écoutons-le. Jésus, moi, je suis mort. Mais comme là, est-ce que on ne va pas créer une deuxième enfer? Il dit que les gens disent qu'il ment. Mais est-ce qu'on ne devrait pas créer une deuxième enfer? Il dit que les gens se disent homme de Dieu, mais ils blasphèment le nom de Dieu. Alors que Dieu, on ne laisse pas l'esprit de Dieu, on ne pense pas. Moi. Alors que Dieu, on ne l'insulte pas. On ne pas. Moi, on ne se lève pas contre moi. Il dit que lui, on ne se lève pas contre lui. Moi, Dieu, là, moi. Il dit lui, Dieu. Oh, à la fin de tout, façon, je suis venu là. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis là doucement, je suis là, je ne reviens pas. Il dit, l'homme maintenant, tu vois, c'est lui, il est tout. Il est plus dangereux que lui, il fait pas de bruit. Waouh, ça dit que lui, il ne fait pas de bruit, mais il est plus fort. Celui qui fait pas de bruit là, il n'est pas dangereux, c'est l'homme qui est déjà sorti. Mais lui, l'homme qui est calme comme ça. Quand on est dans la route, parce qu'il est profond. Mais que se passe-t-il? Où est-ce que toute cette affaire nous envoie? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et cela suscite des réactions. La réaction des gens, des hommes comme des femmes. Regardez. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Jésus Baoulé s'est quitté ou ça? Mais attends. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Jésus Baoulé s'est quitté ou ça? Mais attends! On n'a pas le temps d'attendre. Le temps avance. Il n'y a plus le temps. Le Jésus Baoulé fait le buzz ici. Si on s'en va. Les gens sont assez confus. Hein? Mais il y a un jeune homme qui pense avoir trouvé la solution. Écoutez bien, écoutez bien. Tu es en train de vous moquer de Jésus Baoulé. Tu es en train de moquer de Jésus Baoulé. Tu es en train de vous moquer de Jésus Baoulé. Un coup, c'est vraiment lui. Mais quand Jésus Blé est venu, c'est pour moi les gens se moquaient de lui. Tu es dans Ramba, si c'est vraiment lui. C'est un problème si c'est vraiment lui. Tu es en train de vous moquer de Jésus Baoulé. Un coup, c'est vraiment lui. Il dit si c'est vraiment lui là, c'est que vous êtes tous dans des problèmes. Mais quand Jésus Blé est venu, c'est pour moi les gens se moquaient de lui. Vous avez vu ça? Tu es dans Ramba, si c'est vraiment lui. Tu es dans problème si c'est vraiment lui.
C'est-à-dire que la confusion est là. Les gens sont dans la confusion. Ils ne savent pas si c'est, oui. Si c'est vraiment le Jésus. Le Jésus oui. Qu'on attendait depuis très longtemps. Ou bien c'est son voisin. Ou pas. Oui. Eux ne savent pas. Hein. Ils se disent, mais attends. Que se passe-t-il? Est-ce le vrai Jésus? Mais en Côte d'Ivoire, nous nous souvenons que il fut des temps où il y avait le café Baoulé. Et ouais. Et les gens disent que, mais attends, que se passe-t-il chez le Baoulé? Écoutons. Café Baoulé, on a accepté. Chien Baoulé, on a accepté. Vous aussi. Dieu Baoulé encore. Ne vous foutez pas des gens, hein. Ne vous foutez pas des gens. Café Baoulé, on a accepté. Chien Baoulé, on a accepté. Vous aussi. Dieu Baoulé encore. Ne vous foutez pas des gens, hein. Ne vous foutez pas des gens. Waouh, il a dit que lui, il pense que c'est de la blague, il pense que ce sont des histoires. Et puis, il se pose la question, mais pourquoi ça se passe toujours chez les Baoulé? Pourquoi? Quel est le problème avec les Baoulé? Quel est le problème? Ça devient vraiment assez inquiétant. Hein? De l'autre côté, il y a une femme qui dit que mais ça tombe bien. Puisque vous mettez chaque année un Jésus sur une croix et puis vous essayez de le chuchoter pour faire chemin de croix. Mais voici un Jésus qui est là, ça tombe bien. On va plus se fatiguer. Regardez, regardez! Cette année-là même, ça tombe bien. Comme Jésus lui-même, il est là. Hein, pour faire chemin de croix. Oh, vous avez entendu ça? Cette année-là même, ça tombe bien. Comme Jésus lui-même, il est là. Hein, pour faire chemin de croix. Là, tous les gens vont se reposer. Là, deux déjà va se reposer. Sérieux? Hein? Pendant ce temps, Jésus Baoulé, lui, n'est pas dans le problème. Il continue à faire son show tranquillement. Et voilà, à nous montrer que c'est lui le chef. C'est lui le patron, c'est lui le Jésus Baoulé. Regardez! Deux. Toi! Quoi? Que se passe ici? Regardez! Hein? Toi, vous trois là, vous êtes qui vous. Hein? Deux, toi, vous trois là, vous êtes qui vous. Vous équivalez à zéro. C'est-à-dire que tout ce que les gens racontent, c'est zéro. C'est-à-dire que tout ce que les gens racontent là, hein, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Ah, quelle histoire! Quelle histoire! Et les gens ont décidé de l'imiter. Regardez! Tu fais quoi? Pour t'asseoir. Toi, tu fais quoi, moi? Tu vas dire que tu en aimes 10 millions. Si moi, je t'ai donné 100 000 francs, 10 000 francs que tu me donnes, là, ça que ça, tu as fait malin sur moi. Moi, je te donne 100 000 comme salaire. Toi, tu me donnes 10 000. À quoi tes 10 000 francs, tu as fait malin sur moi? Moi, Dieu? Maintenant, si toi, tu dors, je ne te réveille pas là. Tu as fait combien là? Maintenant, si toi, tu dors, je ne vais pas te réveiller. Il est l'heure, réveille-toi. Tu as fait quoi? Oh. J'ai dit, les gens prennent ces vidéos pour faire du TikTok. Sérieux? Et ça va vraiment assez loin quand même. Hein. Vous allez découvrir quelque chose tout à l'heure. Aujourd'hui aussi, c'est le défi. Jésus Baoulé, qu'est-ce que je lui ai dit? Et puis tu sais pas. Amen. Aujourd'hui aussi, c'est le défi. Quoi? Il prie le Jésus Baoulé. Il prie le Dieu du Jésus Baoulé. Et il ne peut pas manger. Aujourd'hui aussi, c'est un défi. Jésus Baoulé, qu'est-ce que je lui ai dit? Et puis tu ne sais pas. Amen. Aujourd'hui aussi, c'est un défi.
Mais mon frère, invite-moi quand même. Invite-moi quand même. Ah, mais pas là, tu n'attends pas. Hein? Ça veut dire que le Jésus baoulé, il était d'être suivi par beaucoup de personnes en esprit. Et oui, mais pendant ce temps, il lui profite de cette belle opportunité pour faire un peu de show, un peu de show, un peu de danse. Vous voyez, on va se réjouir juste un peu seulement. Regardez! Aïna Café, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, viens et vois quoi. Viens et vois. C'est mélanger baoulé, en malinké. Bon, ce que vous appelez djoula. Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est que le baoulé, écoutez ça! Le jeudi baoulé, pas l'en baoulé. Mais c'est ma femme qui est en deuil, ma seconde, ou quand y a mien d'abord, y a mien d'aile, ma quête, mon papa, ma clé, maman. Nous avons entendu ça? Le Jésus baoulé parle baoulé. Ça, c'est étrange. C'est incroyable, mon frère. Il a une réponse à donner à toutes les personnes qui attendent le vrai Jésus. Hein. Il dit que si vous attendez le vrai Jésus, vous fatiguez parce que lui, il est déjà là. Écoutez très bien ça. Le Seigneur revient bientôt. Il revient. Vous allez rester dans ça là jusqu'à le monde va finir. Vous allez rester ici. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit qu'il va revenir là. Il viendra plus. Moi, je suis déjà là. Le Seigneur revient bientôt. Vous allez rester dans ça là jusqu'à le monde va finir. Vous allez rester ici. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit qu'il va revenir là. Il viendra plus. Moi, je suis déjà là. Hein? Il dit que lui, il est déjà là. C'est largement suffisant pour faire notre bonheur. C'est un truc hors du commun. Et le monsieur a été connu sur cette affaire-là. Écoutez. Bénissons de tout chacun. Moins un, vous tous. Vous allez voir. Par exemple, ta bénédiction là, moins un. T'es mille. Toi, ta bénédiction, moins un. Anne, ta bénédiction, moins un. Jean-Claude, toi aussi, ta bénédiction, moins un. Toi aussi. Christophe, vous tous, votre bénédiction là. La voici, j'ai enlevé votre bénédiction là. Cécile, toi ta bénédiction. Moins un à tous ceux qui n'ont pas liké cette vidéo. Moins un. Sérieux? Est-ce qu'il est capable de faire vraiment moins un sur la vie des gens? Ou en fait sur la bénédiction des gens? Bon, c'est la même chose de toutes les façons. Sérieux? Bon, en tout cas, il y a une réponse à nous donner. Regardez. Je ne peux pas prêcher dans ça là. Ça là, c'est moi. La Bible qui est là, c'est moi. C'est le travail que j'ai effectué en Israël là. C'est ça qu'on a écrit. C'est ça qu'on a écrit ici. Donc je ne suis pas venu vous parler du travail que j'ai déjà fait. Il y a un autre travail que je vais nous faire sur la terre. Ce travail, c'est celui de la fin du monde. De la fin de tous les temps. Là, c'est moi qui vais détruire le monde. Moi là. Regardez mes gros gros yeux que vous voyez, je suis là. C'est moi. Mes deux mains qui sont là. C'est moi. Là, mes deux pieds. Moi qui suis en train de marcher que vous voyez là. C'est moi qui vais anéantir. Regardez la réaction des gens. Regardez la réaction du gars. Il est même choqué. Il est même étonné. Regardez mes gros gros yeux que vous voyez, je suis là. C'est moi, mes deux mains qui sont là. C'est moi, mes deux pieds. Moi, mais qui sont en train de marcher que vous voyez là. C'est moi qui viens de mentir. Je dis. Regarde sa réaction. Intéressant.
Le Jésus Baoulé vient de parler, je n'ai rien à ajouter. Mes frères et sœurs, vous avez entendu ça? Aïe, aïe, aïe. Quelle vidéo vont venir si vous n'êtes pas pour la bonne voiture? La quoi? Parce que nous sommes sur une bonne. Nous faisons des vidéos extraordinaires. C'est à vous de jouer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et laissez vos j'aime. On doit atteindre 10 000 likes pour cette vidéo. Partagez cette vidéo à tous vos amis. C'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir Union Scoutbond, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve notre information bancaire. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Scoutbond 3. Avec Union Scoutbond, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Scoutbond 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.